Saison 2021 des faucons et autres oiseaux de Tédin. Allez, c'est parti, on va visiter tout ça. On commence par le nichoir des principaux intéressés, donc les faucons cresserelles. Donc voici le nichoir occupé en 2020. Il est constitué d'une grande plateforme, d'un petit couloir et enfin la chambre de nidification qui est plus grande que les autres nichoirs proposés. Donc deux caméras qui permettent de voir l'extérieur et l'intérieur du nichoir. Suivi d'une niche vide, puis de l'ancien nichoir occupé les années précédentes, équipé d'un petit perchoir à l'entrée. Suivi d'un passage de câble qui permet d'alimenter le nichoir des mésanges et des rouges-queues. Et la dernière niche, tout à gauche, c'est le nichoir des chouettes effraies. Voici une vue d'ensemble avec les annotations pour situer les différents nichoirs. Sans oublier le nichoir numéro 1 des mésanges qui est juste ici. Le nichoir des chouettes effraies est équipé de deux webcams infrarouges, une qui filme la chambre de nidification et l'autre qui filme le perchoir ou le couloir. L'infrarouge est vraiment nécessaire puisque les chouettes effraies sont des oiseaux nocturnes. On en vient ensuite à notre nouveauté de l'année 2021, une nouvelle caméra extérieure, étanche, infrarouge, motorisée, qui nous permet de voir la nuit les chouettes effraies et la journée les faucons cresserelles. Elle nous permettra d'obtenir des plans éloignés ou rapprochés grâce à son zoom optique puissant. Plus de détails techniques sur cette caméra perchée dans la partie technique de mon site. Mais en attendant, voici une petite démonstration de ce que la caméra est capable de nous montrer. Du côté des chouettes, un zoom est possible. Et pourquoi pas un zoom sur sa bague pour pouvoir l'identifier. Et du côté des faucons, une vue rapprochée ou une vue éloignée, ce qui va nous permettre en début de saison d'observer les éventuelles disputes des territoires et en fin de saison de faire durer le plaisir en observant les petits faucons qui apprennent à se servir de leurs ailes et qui explorent les environs. On continue notre visite du côté des mésanges charbonnières dans l'érable avec quelques petites modifications pour ce nichoir. La première modification est la fermeture des fenêtres latérales qui permettait de laisser passer la lumière naturelle. Deuxième modification, c'est l'ajout d'une lampe connectée intégrée dans le faux plafond qui peut être allumée automatiquement au lever du soleil. Troisième et dernière modification, l'orientation de la caméra qui permet maintenant de voir aussi le balcon. Pour les mésanges bleus, aucun changement. Le nichoir reste le même et le système de surveillance aussi. Pour rappel, ce nichoir est équipé d'une seule caméra avec différents angles de vue possibles et d'une lampe connectée qui s'allume au lever du soleil. Un peu plus loin dans le jardin, chez les rouges-queues, on espère que le nichoir sera occupé cette année car il ne l'a pas été l'année dernière. Le système de prise de vue ne change pas, c'est toujours une caméra qui filme par le dessus. À Oswald, le nichoir numéro 2 des mésanges a aussi eu le droit à quelques petites modifications.
la fermeture des fenêtres latérales avec le remplacement de la caméra intérieure pour bénéficier d'images de meilleure qualité et l'ajout d'une deuxième caméra qui permet de filmer l'entrée du nichoir ainsi que le balcon. Voilà pour ce petit tour de propriété. On va maintenant laisser les oiseaux s'installer dans leurs nichoirs respectifs. N'hésitez pas à poser vos questions, soit sur le chat ou alors en commentaire de cette vidéo sur YouTube. À bientôt pour découvrir les nouvelles images de cette saison 2021.